Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on est chez Axis au siège. On a la chance d'être avec Stéphane Carré. Stéphane Carré qui est directeur commercial du coup pour la France et l'Afrique du Nord, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du coup de ce partenariat entre Axis et Vidéoconsult? Donc Axis est une société d'origine suédoise, présente au niveau mondial, avec une spécialisation depuis très longtemps sur la sécurité électronique, IP, d'abord les caméras, et puis après qui s'est développé aussi sur le domaine de l'audio, du contrôle d'accès. Et avec un ADN qui est très orienté autour de l'innovation, de la qualité et de l'éthique. Et de l'éthique. Et donc du coup, Vidéoconsult, quand est-ce qu'on a rencontré Axis? Alors c'est un engagement de la première heure en fait entre nos deux sociétés, avec beaucoup de curiosité côté Vidéoconsult, et puis aussi un apport très intéressant pour Axis, qui était l'expertise de Vidéoconsult sur le segment du retail notamment. C'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup, ces expériences de partenaires qui ont ce niveau d'expertise sur un segment particulier. Aujourd'hui, pendant qu'on fait ce petit format interview, on a des techniciens du coup qui sont en formation chez vous. Qu'est-ce que ça représente pour Axis du coup de former les techniciens partenaires? C'est essentiel. D'abord parce que la vidéosurveillance IP est devenue quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui fait appel à de l'optique, à des compétences IP. Et aujourd'hui, la formation et un bon niveau de formation, c'est pour nos clients finaux un gage de compétences pour les phases d'avant-vente, les phases d'installation, d'intégration et de maintenance. Et c'est quelque chose sur lequel Vidéoconsult a beaucoup investi, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 personnes certifiées. Et nous organisons d'ailleurs, spécifiquement pour Vidéoconsult, chaque année, des sessions dédiées pour présenter les évolutions de nos produits. D'accord. On parle justement d'évolution produit. Est-ce que Vidéoconsult a un rôle à jouer avec Axis sur les innovations produits? Oui, absolument. On a l'habitude avec Vidéoconsult, c'est vrai, de faire des prêts de produits ciblés sur des produits orientés pour le marché du retail. C'est intéressant pour Vidéoconsult pour mieux comprendre ses offres et être en avance de phase, mais aussi très intéressant pour nous par le retour d'expérience sur l'utilisation des produits. Du coup, c'est quoi les prochaines grandes lignes de développement pour Axis? Une grosse dominante aujourd'hui de développement, c'est l'analytique. L'analytique existait, mais pas sous forme d'exploitation vraiment aussi avancée de l'intelligence artificielle. D'abord avec le machine learning, puis le deep learning, qui amène plusieurs choses. D'abord, la capacité à avoir beaucoup plus de catégorisation des objets, ce qui peut être très utile sur différents segments de marché, catégoriser des individus, même des parties de l'individu, des couleurs bientôt, des véhicules, différents types de véhicules. On peut imaginer toutes les applications et c'est vraiment que le début. La deuxième partie, l'apport de l'intelligence artificielle, c'est aussi la qualité de la détection et de diminuer les fausses alarmes, ce qui est bien sûr est essentiel pour augmenter la performance des caméras et des analytiques. Et donc du coup, concernant l'évolution du partenariat avec Vidéoconsult, on arrive quand même à 15 ans de partenariat. C'est quand même une milestone qui est assez importante pour les deux entreprises. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour fêter ces 15 ans? Oui, alors on va se retrouver déjà en septembre. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. L'ensemble des équipes Axis et Vidéoconsult pour fêter l'événement, pour fêter les 15 ans. Il y aura peut-être une petite surprise, un petit trophée d'ailleurs. On en reparlera.